suis là pour faire avec eux, parce que c'est faire ensemble qui permettra effectivement à la Réunion de se relever de cette crise de plusieurs jours. Je souhaite que la Réunion, qui est une fille de la République, puisse montrer le meilleur d'elle-même. Je sais que ce territoire a de grosses difficultés. Je sais qu'on a un certain nombre de problématiques liées à l'emploi et à la vie chère, puisqu'on l'appelle comme ça, au coût de la vie dans ce territoire. Je sais aussi qu'il y a un ras-le-bol assez général sur la situation qui perdure. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent depuis très longtemps, mais il y a ceux qui souffrent des barrages. Il y a ceux qui souffrent parce que leurs entreprises vont mourir. On voit bien que là, il y a une obligation à ce qu'on puisse s'asseoir tous ensemble, dialoguer et trouver les points de sortie de cette crise. Et ensuite, reconstruire ensemble la Réunion, le vivre ensemble à la Réunion, qui était ce que moi j'ai toujours connu et ce que je veux revoir ici à la Réunion pour les Réunionnaises, pour les Réunionnais. Est-ce que vous avez déjà des solutions, des choses à leur dire ? La question du prix du carburant est quelque chose qui a été mis en avant, mais je crois que on le voit bien, c'est beaucoup plus profond que la question du carburant. Et puis honnêtement, c'est quand même pas ces 18 derniers mois que la situation s'est autant abîmée. Ça fait des années, donc il faut véritablement qu'on regarde les choses en face, en toute transparence et en toute honnêteté, les uns envers les autres. La méthode employée. La méthode, vous le savez, c'est dialoguer. Donc je vais commencer maintenant et je le ferai autant d'heures qu'il le faudra. Il y a un avion rempli de militaires qui est arrivé il y a une heure. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe actuellement ? L'attitude des forces de l'ordre va changer. Non.